Je m'appelle Miguel Lopez et aujourd'hui je débute en tant qu'entraîneur. Dans le passé, j'ai commencé ma carrière de joueur à Malaga. J'étais un attaquant solide et plusieurs clubs m'ont sollicité. C'est à Liverpool que je me suis fait connaître au plus haut niveau. Je n'ai cependant jamais remporté aucun titre durant cette période. J'ai terminé ma carrière à Valence, là où je suis né, dans mon club de cœur. On m'a aussi donné ma chance en équipe nationale, mais plus souvent sur le banc, la concurrence étant assez rude à cette époque. Et aujourd'hui, c'est à l'OM que je signe. À peine arrivé dans la salle de réunion que le community manager du club annonce la nouvelle sur les réseaux. Et les premières réactions ne tardent pas à arriver. Parce que je sais que ça va vriller. Eh ouais que ça va vriller. Eh tu le sais que ça va vriller. Je comprends les fans. Devoir accepter l'arrivée d'un coach novice en la matière. De plus, je prends la place d'André Villas-Boas, auteur d'une très bonne saison et d'une solide seconde place. Il a décidé de quitter le club suite à un accrochage avec les dirigeants. Ses demandes de fonds y ont toutes été rejetées. D'où la frustration des supporters. Avant d'aller rencontrer les dirigeants, on me donne un livre sur l'histoire du club, un aperçu du projet sur les 5 prochaines années, ainsi qu'un rapport complet de la situation de l'effectif. Comme si je n'avais pas préparé mon arrivée avec soin. Je vais la remettre plein la vue. Arrivé dans la salle pour la réunion privée, je suis accueilli par Frank McCourt, propriétaire du club. Si on a une demande, c'est à lui qu'il ne faut surtout pas la faire. De part et d'autre de la salle se trouve Jacques-Henri Hérault, président du club, ainsi que Pablo Longoria, directeur sportif. Dans l'ordre, vous avez le bon, la brute et le truand. J'essaie tout de même de prendre mes aises et suite à nos échanges de politesse, c'est à moi de prendre la parole afin de présenter mes projets pour le club. Messieurs, je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui pour finaliser mon arrivée à l'Olympique de Marseille. J'ai pris le temps d'étudier avec soin notre effectif et vous faire part de nos ambitions, ainsi que de nos objectifs à court et moyen terme. Ensemble, nous réussirons quelque chose de grand. Dans un premier temps, nous pouvons séparer l'équipe en 4 groupes. Le premier, c'est les joueurs d'avenir. Nous y retrouvons la plupart des joueurs âgés de 23 ans ou moins, avec un fort potentiel sportif et financier. Ils nous feront soit gagner des titres, soit gagner de l'argent. Il est important de leur donner du temps de jeu pour assurer leur formation. Parmi eux, Camara est sans doute notre meilleur atout. J'ai nommé le second groupe équipe première. Ce sont les joueurs, pas forcément titulaires, qui seront le noyau dur de l'équipe. En résumé, nous compterons sur eux et leur professionnalisme pour être présents dans les compétitions principales. Mandanda et Thauvin en seront nos joueurs clés. Dans le troisième groupe, nous trouvons les cas à étudier sérieusement, en raison principalement de leur salaire. Dans ce groupe, nous retrouvons Dimitri Payet. Il est un cas très spécial au club. 249 000 euros par mois, avec une clause d'augmentation annuelle de 5% par an, avec une fin de contrat en 2024. Cela veut dire que si nous ne prenons pas de décision rapidement, nous allons nous retrouver avec un joueur de 37 ans, invendable, avec un salaire de près de 300 000 euros par mois. Mais voilà, à côté de ça, Dimitri est un élément clé de l'équipe. Un vrai chef d'orchestre, capable de sortir des prestations hors du commun lors des grands rendez-vous. Je pense tout de même que son plus haut niveau est derrière lui. Il faudra préparer son remplacement et le vendre tant qu'on le pourra encore s'il n'accepte pas une baisse de salaire l'année prochaine. Le second cas est Kevin Strootman. Je vais même pas vous demander qui a signé le contrat. Je n'irai pas jusqu'à dire non plus qu'il n'a pas le niveau. Il est même plutôt solide pour son milieu de terrain. Mais son salaire nous laisse peu de marge de manœuvre. Son cas sera également à décider l'année prochaine. À l'heure actuelle, aucun club qui n'est pas chinois acceptera de payer autant. Et cela m'étonnerait qu'à son âge, il veuille bien négocier une baisse de salaire. Tout ce que nous pouvons espérer, c'est qu'il fasse une excellente saison pour qu'on puisse le proposer à des clubs plus gros. Et enfin, nous avons Valère Germain. S'il reste, il sera sans doute sur le banc cette saison. Le problème, c'est que son salaire est 2 à 3 fois supérieur à celui de la majorité des titulaires. La bonne nouvelle, c'est que son contrat se termine en fin de saison. Mon projet sera de le vendre en priorité en cas de besoin d'argent. Le dernier groupe est à mon sens la priorité pour l'avenir. C'est là-dessus que se jouera la réussite ou pas du club. Mitroglou. Croyez-moi, sa réputation dépasse les frontières. On le connaît dans le monde entier. Lors des formations pour le diplôme d'entraîneur, nous avons eu des jours d'études de cas particuliers sur ce joueur. Il sera ma priorité. Le vendre, le donner. Ou même payer un club pour qu'il le récupère. Ça sera la première chose que je vais faire. J'en ai terminé avec l'effectif. Je suis prêt à passer aux objectifs du club cette saison. Avez-vous des questions? Je n'ai pas de questions si je n'ai pas à payer. Concernant le club en général, l'équipe s'est qualifiée en Ligue des Champions la saison passée. Je tiens à être honnête avec vous, nous n'avons pas l'effectif nécessaire pour y être compétitif. Selon le tirage au sort, la seule chose que je puisse promettre est de jouer une troisième place pour obtenir l'Europa League. Passons à la Ligue 1 maintenant. Avec la qualité de notre effectif, nous pouvons viser une place sur le podium et se qualifier pour la prochaine C1. Et pour cela, nous allons devoir gérer des matchs clés cette saison, contre nos concurrents directs, Lyon et Monaco. Mais nous allons devoir également prendre au sérieux les matchs contre les équipes montantes du moment qui sont Rennes et Lille. Obtenir au moins un point sur les deux matchs contre Paris sera également appréciable, mais ça va plus dépendre de leur forme que de la nôtre. Et concernant le transfert ? Oui, j'allais y venir.
et je sais qu'au niveau financier, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Dans un premier temps, il y a deux jeunes que j'aimerais obtenir ou suivre. Le premier est un joueur italien. Son nom est Nicolo Robella. Milieu central de 18 ans, actuellement à Genoa. Il a déjà fait ses preuves avec l'équipe espoir italienne et semble très déterminé. Avec le bon entraînement, il pourrait devenir le nouveau Verratti. De nombreux clubs l'ont à l'œil, et je pense qu'il faudrait se positionner rapidement dessus, son contrat se terminant bientôt. Le second jeune est portugais. C'est Fabio Silva, jeune attaquant de 18 ans. Il sera plus difficile à atteindre car il vient d'être acheté par les Wolves, comme à peu près tous les Portugais du marché d'ailleurs. Il faudra suivre son évolution attentivement. En second lieu, j'ai deux pistes de joueurs libres qui pourraient étoffer l'équipe pour pas très cher. D'abord, Ezequiel Garay, 33 ans à ce jour. J'ai joué avec lui à Valence et je connais son talent. C'est un grand bosseur, ayant joué dans de très grands clubs. Il supporterait facilement la pression liée à Marseille. Il serait un atout indéniable pour faire tourner l'effectif, ainsi qu'un encadrement parfait pour nos jeunes défenseurs. De plus, l'ajout d'un défenseur central pourrait nous permettre de repositionner Alvaro au poste de latéral droit, dans lequel nous n'avons pas vraiment de profondeur. Ensuite, il y a Jack Wilshere, 28 ans. Il a déjà montré un haut niveau à Arsenal. Malheureusement, il n'a pas été épargné par les blessures. Les Anglais réussissent plutôt bien à l'OM, et le signer serait pour lui une dernière chance pour relancer sa carrière. Nous pourrions également en tirer une plus-value respectable. J'en ai maintenant fini avec mes projets, j'espère vous avoir convaincu et que nous pourrons tous travailler dans le même sens pour le bien du club. Suite à cela, après une visite guidée de tous les lieux clés du club, on m'accompagne dans mon nouveau bureau pour enfin me mettre au travail. Et il y a du pain sur la planche. Mon arrivée tardive ne me laisse que peu de temps afin d'être prêt pour la première journée de Ligue 1. Je passe ma première nuit blanche à préparer les tactiques que je compte utiliser cette saison.